Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog avec Mimi qui nous rejoint ce matin. Alors, on est déjà le vendredi, le vlog sort dimanche. Alors, je pense que vous l'aurez vu, le week-end dernier, il n'y a pas eu de vidéo. C'était une semaine un petit peu compliquée pour moi. J'ai eu, enfin, compliqué mais rien de grave, hein, tout va bien. J'ai juste eu énormément de commandes sur ma boutique, on va dire ma première petite boutique en ligne. D'ailleurs, je vous en remercie. Hier, j'en ai encore préparé une petite, donc j'essaie vraiment de les faire partir au fur et à mesure. Je ne veux pas les laisser s'accumuler, tout simplement. Et c'est vrai qu'avec les jours fériés, les ponts, etc. du mois de mai, bah en fait les colis ont mis un peu plus de temps à arriver. C'est vrai que je m'en rappelais pas forcément. Quand on n'y est pas confronté, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à oublier. Mais bon, écoutez, tout est bien arrivé chez tout le monde, donc je suis assez contente. D'ailleurs, la plupart d'entre vous m'ont fait des photos des fine art sous cadre, dans leur déco, donc ça me touche énormément. C'est vraiment un peu la finalité aussi de mon travail. Que de voir qu'en fait, les fine art sont à des prix qui sont accessibles pour vous, pour les personnes qui sont intéressées par et qui aiment tout simplement mon art, et que du coup, ben voilà, ça vous permet de les avoir dans vos intérieurs et d'apporter quelque chose à votre déco. Et pour ceux qui me suivent, de toute façon, vous le savez, moi je suis une fan de décoration d'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Les objets qui ont une histoire, c'est quelque chose qui me fascine. C'est pour ça aussi que je vous emmène souvent en brocante ou que je vous fais souvent des hauls brocantes parce que je trouve qu'il y a vraiment des trésors à mettre chez soi. Bref, tout ça pour dire que du coup, ça me fait hyper plaisir de voir que mes œuvres font partie de vos décos d'intérieur. Puis je reçois des messages super mignons de personnes qui me disent « Bon, bah, telle personne est passée chez moi, elle a adoré. » Donc voilà, je trouve ça assez dingue aussi de me dire que j'ai des œuvres qui sont un petit peu partout en France maintenant, que je me cantonne pas en fait à mon sud-ouest de la France. Donc je trouve ça vraiment très très chouette, c'est vraiment une belle aventure qui je l'espère ne fait que commencer, et en tout cas je tenais encore une fois à vous remercier. Pour ceux qui auraient raté l'info, bah, écoutez, je vous remets encore une fois le lien de la boutique dans la barre d'infos, ce sera le premier, comme ça c'est plus simple pour trouver. Alors je ne sais pas si je vous l'avais montré ici, j'ai quand même un sérieux doute, mais j'avais acheté en fait un carnet noir il y a quelques temps, donc tout noir de la marque, c'était Canson, il me semble. Je vous dis pas de bêtises, Canson, et en fait j'avais pris avec à l'intérieur un papier multitechnique en fait, où on peut faire de l'aquarelle, de l'encre de Chine, enfin bref, tout ce qu'on veut, donc un papier un petit peu épais, et comme le dessus était noir et que je trouvais ça profondément triste, et ben en fait j'ai pimpé un peu mon carnet avec de l'acrylique, et donc j'ai un ami qui avait du vernis et qui m'a dit mais il faut absolument que tu le vernisses, sinon il va s'abîmer et ça tiendra pas, et donc je vous avoue que ce carnet j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Donc le motif là pour le coup n'est pas de moi, hein. On va rendre à César ce qui est à César. Je n'ai pas pris le temps de dessiner un motif sur mesure pour ce carnet parce que je savais qu'il allait être tout simplement pour moi. Donc j'ai repris un motif qui moi me plaisait beaucoup et donc je l'ai mis sur ce carnet. Donc c'est pas mal de boulot mais c'est hyper intéressant à faire et surtout je le trouve plutôt assez réussi et assez joli pour un premier essai. Donc voilà un petit peu, et donc là il est verni, donc en fait bah, il ne bougera plus parce qu'il y a quand même deux couches de vernis. J'ai pas fait le derrière comme c'était le mien, j'ai pas trouvé trop l'intérêt, puis bon je vous avoue que j'ai pas eu spécialement le temps non plus. Mais voilà, donc ça c'est mon carnet un petit peu à dessin, donc il y a des petites choses, des petits tests en fait à l'intérieur que je fais vraiment là pour m'amuser. J'ai également pris des notes pour des futurs projets, etc. Parce que jusqu'à présent, en fait, je faisais mes petits croquis sur des carnets A5, qui est un format que j'aime beaucoup parce qu'en fait, je peux l'emmener un petit peu partout avec moi, alors que celui-là, c'est un A4, donc il est un peu plus grand. Et les A5, en fait, sont quasiment pleins de projets à venir pour des futures expos, parce que c'est vrai que là-haut, ça fourmille énormément. Du coup, je me suis fait quand même ce joli carnet qui, du coup, est un petit peu aussi un élément de déco que j'aime beaucoup. J'espère que vous le verrez bien. Donc voilà, il est comme ça. Et ça, c'est des choses, je me demandais si potentiellement ça pourrait vous plaire que j'en fasse peut-être. Alors, ce serait des choses vraiment très, très ponctuelles.
mais j'avais potentiellement envie de faire bah, peut-être un carnet A4 et deux carnets A5 et de les mettre sur ma boutique parce que c'est pas forcément des choses que je sortirai en expo. Je vous avoue que c'est vraiment quelque chose que je suis en train de réfléchir, soit de les bah, d'en faire à la main, mais ils auront forcément un coût parce que ce sera bah, des pièces originales et mais voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y aura un côté aussi utilitaire. Vous pourrez l'emmener avec vous pour les personnes qui aiment écrire, pour les personnes qui font de la musique, qui composent, pour bah, ceux qui aiment dessiner ou même juste avoir un petit journal, vous savez, un petit peu quotidien où on écrit quelques petits mots pour vider un peu son sac ou ce genre de choses. Moi, en tout cas, c'est des, voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup. Je suis très carnet, très papeterie. Donc voilà. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de, bah, de petites choses pourrait potentiellement vous plaire, si l'idée vous plaît. Et puis écoutez, après, moi, j'étudierai un peu la question. Mais c'est vrai que c'est un support qui n'est pas forcément simple à travailler, mais qui reste quand même bah, très intéressant. Et puis voilà. Donc ça, c'est un carnet que j'avais fait il y a quelques temps, donc je tenais à vous le montrer. Je voulais également vous montrer cette magnifique petite chose qui m'a été offerte. Donc en fait, c'est une fausse plante en crochet dans un petit pot, voilà, qui m'a été offerte par une amie de ma petite sœur. Donc voilà, ça je vous montre juste parce que ça me fait trop plaisir. Je pense qu'elle ne sait même pas que j'ai une chaîne YouTube, donc c'est assez rigolo. Mais cette petite fougère est beaucoup trop mignonne. Donc, dans les prochaines vidéos, j'aimerais beaucoup qu'on prenne le temps de réarranger un petit peu la déco parce que je le fais quand même. Voilà, ça tourne assez régulièrement chez moi. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu du mal à harmoniser tout ça. Et là, je pense qu'il va être temps, même si je vais avoir beaucoup de travail là dans les mois à venir. Voilà. Et puis en plus de ça, elle, je veux clairement lui trouver sa place parce qu'elle est beaucoup trop mignonne. Je vous avoue que j'hésitais à la mettre en macramé ou bah écoutez, je sais pas. S'il y en a qui ont des idées de l'endroit où je peux la mettre, ben voilà, je suis preneuse parce qu'elle est beaucoup trop kiki. Puis bon, celle-là, elle risque pas de mourir, c'est l'avantage. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Du coup, quelque chose qui n'est pas évident à filmer. Si vous l'avez vu dans les rushs précédents, puisque j'ai fait ça samedi dernier, mais ça, je vous l'avais montré dans le haul d'il y a 15 jours, quand j'étais allée au Puy du Fou, il y a 15 jours, 15 jours, ouais, à peu près, 15 jours. Et en fait, je me suis acheté un crâne, je vous l'ai montré chez un gypsier, donc le crâne est numéroté, etc. Et en fait, le crâne, moi, je l'ai, ben, vous l'avez vu dans les clips précédents, le gypsy m'avait donné, entre guillemets, la recette pour le vieillir. Alors, j'ai pas appliqué exactement sa recette parce que lui m'avait dit de mettre un premier coup de cire, donc incolore, ça c'est ce que j'ai fait. Donc, il m'avait dit, du coup, pour la deuxième couche, d'utiliser de la terre ou du café mélangé avec de la cire pour apporter cette teinte, ben, comme si le crâne était juste sorti de terre. Sauf qu'en fait, moi je me suis dit, ben la terre et le café sont des matières organiques, et étant donné que le crâne, enfin que mon crâne que j'ai appelé Jean-Eudes, va être en fait fermé dans une cloche. Alors les cloches ne sont pas hermétiques, hein, ça respire quand même toujours un petit peu. Mais vu qu'il est voué à être dans une cloche, je n'avais surtout pas envie que la terre ou le café ben, pourrissent ou attaquent les autres matériaux présents dans la cloche. Du coup, j'ai utilisé tout simplement, et vous l'avez vu, je pense, dans les clips, j'ai utilisé ma peinture acrylique, qui est le Terre d'ombre brûlée de chez Lefranc-Bourgeois. Donc en fait, j'ai utilisé ça, tout simplement. Et donc, voilà un petit peu pour ce que ça donne pour lui. Je vous avoue que, bah, du coup, j'ai trouvé sa cloche chez Rétif. Alors, il n'y en avait plus qu'une, comme ça. Ce qui est assez dommage, parce que sinon, j'en aurais pris une deuxième pour faire une compo pour une expo. Et donc pour la composition de la cloche du coup de Jean-Eudes, j'avais envie de partir sur bah en fait des donc ça ce sont des missels donc qui sont vraiment très très jolis, très ornés. Il y a un chapelet et donc Jean-Eudes vient reposer ici. Sauf que je n'ai pas du tout terminé la composition de cette cloche qui du coup est pour moi. Hein, c'est clairement pas une cloche qui va être à adopter. Parmi les super nouvelles que je tenais aussi à vous annoncer. Donc d'ici fin juin, mais de toute façon je vous le filmerai. D'ici fin juin, j'expose dans un cabaret lors d'une journée, bah, d'une journée en fait. Voilà, ça va être une expo un peu flash. À la base, je devais y laisser des œuvres pour à peu près un mois et demi. Mais comme vous le savez, en fait, je n'ai pas de stock. J'ai zéro stock d'œuvres.
de toiles. Donc là, ce sera davantage des toiles, même si je vais avoir une table du coup. Attendez, je me mets à l'aise. Même si je vais avoir une table du coup avec avec quelques fine art qui me restent, des petites cartes postales, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pas de stock. Donc en fait, le plan, c'est que d'ici fin juin, il faut que je produise pour cette expo-ci qui est donc dans un cabaret, il faut que je produise trois toiles. Trois toiles. Donc une toute petite qui sera pour le propriétaire. Voilà, pour le remercier en fait de m'exposer. Donc il aura une petite toile. C'est un peu ce qui est convenu en fait entre nous. Et je trouve ça assez sympa puisque comme elle va être exposée au cabaret à l'année, bah, en fait les gens pourront voir mon travail. Donc je pourrais laisser une carte à côté, etc. Enfin des cartes à côté. Et donc moi j'ai prévu d'en faire deux grandes qui se trouveront de part et d'autre de la scène. En fait au niveau de la des montées de marche. Voilà, et donc j'ai prévu de faire la lune et le soleil, donc les personnifications de la lune et du soleil, puisque dans le monde du cabaret, je trouve ça assez intéressant. Donc là, ça va être deux grandes toiles, ça va être des 60 par 80. Donc j'en ai déjà en collé une qui se trouve derrière moi. Donc là, il me reste la deuxième à aller acheter et à faire. Donc voilà un petit peu le plan. Donc ça va être dans les choses à faire de manière assez rapide, je dirais. Donc je pense vous montrer ça dans les prochains vlogs. Je pense que vous allez pas mal me voir peindre, notamment la semaine prochaine, je pense. Et autre super nouvelle, excusez-moi, je crois que je suis en train de tomber malade. Donc ça, c'est pas une super nouvelle, mais on fait avec. Autre super nouvelle, mi-juin, j'ai rendez-vous avec une galerie d'art. Voilà, là je suis vraiment hyper contente parce que ça fait partie, entre guillemets, de mes objectifs. Donc écoutez, je pense que je vous ferai un petit débrief. J'espère que ça va bien se passer, qu'ils vont bah, aimer tout simplement ce que je propose et ce que je fais. Voilà. Et donc pour le coup, la série que j'aimerais exposer à la galerie, ce serait cette fameuse série sur les femmes de la Bible. Parce que je pense que de toute façon, tout ce qui est attrait à la religion, ça peut toucher énormément de gens. Pas forcément que des gens croyants. Voilà. Mais c'est un imaginaire commun et puis de toute façon ça va être des réinterprétations. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup travailler pour une galerie d'art parce que je sais pas, les couleurs, tout ce que j'ai envie de mettre en place sur cette thématique-là, je le vois vraiment dans une galerie d'art, en tout cas dans un lieu un petit peu comme ça. Voilà, je le vois pas dans une expo entre guillemets plus simple. Je le vois vraiment, voilà, parce que je sais que les galeristes, du coup, organisent un vernissage sur invitation, etc. Donc, c'est quand même tout une espèce de petit cérémoniel. Donc, j'ai vraiment envie de faire des œuvres que moi, je juge à la hauteur du lieu, de l'événement. C'est des œuvres qui vont être exposées un certain temps chez eux. Donc voilà un petit peu le projet. Et donc là, l'idée, c'est que je dois, pour le 11, leur présenter deux, trois toiles et normalement une cloche. Sauf qu'en fait, mes cloches étant quand même assez fragiles, je vais peut-être pas m'amuser à les transporter juste pour leur montrer un exemple de ce que je fais. Donc là-dessus, ben, je pense que je vais faire un book et puis ben, sur téléphone leur montrer un petit peu mon univers. Je pense que ce sera le mieux et le plus simple. Mais par contre, je pense que je vais devoir amener au moins une ou deux toiles. Donc, je vais amener, je pense, mon Alice. Même si elle est très grande et qu'elle a un cadre et que c'est pas forcément simple, je pense amener mon Alice. Ou alors j'amène un fine art. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut vraiment que je peaufine là-dessus parce que c'est vrai que, étant donné la taille de mon Alice, elle est un petit peu compliquée à transporter. Et au-delà de ça, pour l'instant, c'est une œuvre qui n'est pas à vendre. Donc, je me dis que s'ils ont un vrai coup de cœur dessus, bah, ça peut être assez compliqué de leur dire, bah oui, mais au final, pour votre galerie, c'est pas ça que moi j'avais prévu. Je trouve que c'est un petit peu délicat aussi. Donc écoutez, je ne sais pas vraiment comment je vais négocier le truc, on verra bien. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que du coup, je vais y amener donc cette toile-ci. Donc elle est déjà dans un cadre, parce qu'en fait, le cadre m'a été offert par une cousine à moi qui l'a récupéré, tout simplement. Et donc j'ai un ami qui m'a redécoupé à la défonceuse l'arrière du cadre pour que je puisse, moi, loger une toile.
Et donc là, je vais partir sur une représentation de Vierge Marie en pleurs avec du coup toute une fente en fait au niveau de la poitrine, un peu comme le néant. Donc ça va être assez noir le fond avec pas mal de craquelures. Et donc elle va avoir un cœur sacré à la place de son cœur à elle. Donc un cœur, vous savez, les ex-voto, ce qu'on appelle, un cœur un peu enflammé, etc. Assez lumineux. Enfin, pour le coup, peut-être plus très lumineux. Et du coup, il va y avoir un poignard à l'intérieur de son cœur. Donc c'est pour ça qu'elle pleure. Pas une vierge hyper joyeuse, mais du coup, qui ira très bien avec la thématique, une des thématiques que je veux aborder pour cette expo, qui est du coup. Donc en fait, il va y avoir des représentations de la Vierge Marie. Donc il va y avoir celle-ci, il va y en avoir une autre plus grande qui a retrouvé, entre guillemets, la paix intérieure. Donc elle va être les mains jointes, elle est de trois quarts. Et en fait, il va y avoir un décor extrêmement fleuri et abondant autour d'elle. Vraiment cette espèce de renaissance, de reconnexion à soi. Voilà, donc je vais avoir ces deux-là. Et j'ai également trouvé, si vous m'avez suivi je pense que c'est dans le dernier hall que j'ai fait, en brocante, j'ai trouvé un énorme cadre coffre. Du coup, là, j'ai peint le fond. Je vais faire mes étagères la semaine prochaine parce que je veux vraiment le faire, pas comme un reliquaire, mais un peu quand même dans cette idée-là. Et au centre, donc j'ai un ami qui fait de la modélisation 3D et qui a une imprimante. Et du coup, il va m'imprimer un cœur humain. Voilà. Et donc, au centre de cette composition avec des étagères, il y aura un cœur humain, un peu ensanglanté, mais bon, rien de bien méchant, posé sur un coussin rouge, enfin voilà, comme dans une sorte d'autel en fait, au centre de ces étagères, et en fait il sera relié à tout, en fait à tous les souvenirs d'une vie, à tous les amours d'une vie, et j'avais envie vraiment de traiter cette thématique, justement de tous les amours qu'on peut avoir. De tout ce qui peut nous briser le cœur et d'une paix aussi qu'on peut retrouver, d'une acceptation qu'on peut réavoir en fait, une fois qu'on a perdu cet amour-là, de tout ce chemin en fait de reconstruction. Et voilà, donc je voulais traiter un petit peu ces thématiques-là. Voilà, c'est des choses qui me. Bah, qui, voilà, c'est des thèmes peut-être, je vais pas dire clichés, mais c'est des thèmes qui, je pense, nous touchent un peu tous à un moment donné dans nos vies. Et des thèmes assez universels. Et voilà un petit peu ce que j'avais envie de faire là. Donc je vais aussi faire du coup des cloches si au niveau de la galerie ils sont partants et qu'ils sont chauds. Je vais également leur faire une voire deux grandes cloches avec du coup des Vierges Marie, des autels, des choses comme ça. Ça va être hyper sympa. Et donc du coup ce gros cadre coffre, il y aura la petite Vierge Marie, il y en aura une autre plus grande. Et puis écoutez, pour le reste, après, on verra, tout dépendra de la date qu'on va fixer pour l'expo, parce que c'est aussi ça qui détermine le nombre d'œuvres que je pourrais amener, parce qu'il faut quand même le temps de les produire. Mais voilà un petit peu pour le point. Vous m'avez vu également, et donc là je fais le dernier un peu point final, vous m'avez vu également travailler, c'était hier, enfin hier et il y a eu un autre jour aussi, avant où on avait commencé avec des amis. Je travaille également sur un guéridon en ce moment. Voilà, que j'ai trouvé à 20 euros en ressourcerie. Et le plan, c'est donc du coup de le peindre. Mais ça, vous l'avez vu, j'ai fait ma première et ma deuxième couche. Donc là, il va me rester tout ce qui est à finaliser. Mais ça, c'est pour du perso, en fait. C'est pour de la déco dans une future pièce. Pareil, ce projet-là, je vous en reparlerai en temps et en heure. Parce que ça va être un très gros projet qui est plus que nécessaire. Donc voilà, donc en fait j'ai déjà commencé à peindre des meubles parce que ça me faisait plaisir. Et sur ce guéridon, sur le dessus, je vais peindre un jeu d'échecs. Voilà, parce que j'adore jouer aux échecs, c'est un de mes jeux préférés. Donc voilà un peu le plan, voilà les dernières choses que j'ai fait lors de ces deux dernières semaines et bien d'autres choses, mais dont je ne vous parle pas forcément ici. Voilà en tout cas un petit peu où j'en suis. Donc là le plan aujourd'hui c'est de commencer un petit peu à poser mes couleurs pour cette toile-ci. Et puis écoutez, passez une bonne semaine, profitez bien, même si c'est vrai que le temps c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais bon ça ne nous empêche pas de vivre et de profiter. C'est pas grave. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!